החברים נמצאים, רבי אילן? כן, כן, כולם נמצאים, הם מחכים בסבלנות. טוב, je m'excuse alors pour cet incident technique. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à me connecter. Ah, d'accord, merci. Donc, je commence le texte. On va essayer de. D'accélérer aujourd'hui. Chamesh Ayriot Yéna Chovrot. On apprend dans notre paracha que le Mishkan est composé de tentures, évidemment de amoudim, de piliers, poutres, et aussi des socles qui vont permettre de soutenir le Ken, sur lesquels, les socles sur lesquels étaient posées les planches qui formaient les murs, qui formaient l'enceinte du Mishkan. Le Chef Ishmael s'intéresse à ce que la Torah nous dit ואת המשכן תעשה יריעות, ואת המשכן תעשה עשר יריעות, שש מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני, קירובים מעשה חושב תעשה אותם. Il faudra donc fabriquer, tisser plus précisément, 10 yériot, 10 tentures, et ces tentures seront faites avec 4 sortes de fils, comme vous le lisez dans la paracha, et ces 10 sont bon, d'une longueur de 28 amas et 4 amas de largeur. Et ces 10, on va les attacher, on va coudre 5 de ces ceintures ensemble et 5 autres ensemble. C'est ce que la Torah nous dit. Hamesh היריות תהיינה חברות אישה אל אחותה, וחמש יריות, כן, אישה אל אחותה. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est ce que nous fait remarquer le Chef Ishmael, c'est que les tentures inférieures qui sont faites en fil de laine ou coloré en bleu azur, en pourpre, en écarlate, et aussi avec du lin. Et ces tentures-là qui étaient inférieures, elles sont divisées en deux groupes. Okay. Et c'était relié, les 5 ensemble et les 5 autres ensemble. Et une fois que les 5 sont reliés par couture, alors, on devait relier les 2, les 5 et les 5 par des boucles qui étaient ou dans lesquelles on mettait des agrafes en or. Chamesh ha'iriot yena choverot isha elachota, v'chamesh iriot choverot isha elachota, v'asita lul'ot techelet al tzfat ha'iria ahat mikatsa b'chovaret, v'chen ta'asib tzfat ha'iria akitzona v'amachberet ha'shenit. Et combien il y aura d'agrafes en or qui vont permettre d'attacher, d'assembler, okay, d'attacher les deux assemblages. En réalité, nous avons 2 assemblages de 5, et ces 2 assemblages de 5 tentures, on doit les réunir, on doit les assembler elles aussi, mais cette fois-ci pas par la couture, mais par ces loulaot qui sont ces nœuds, ces boucles-là, et pour permettre donc l'union de ces 2 assemblages de tentures, on mettait des agrafes en or
qui vont relier donc tout cela. Ça, c'est ce qui concerne cette première couche, si on peut dire comme ça, les tentures inférieures. Il y avait des tentures supérieures, enfin, qui étaient au-dessus de ces tentures-là, qui étaient mises aussi sur le Mishkan, parce que c'est ça le toit du Mishkan. Les planches, les poutres, qui c'est les krachim, servaient pour être les murailles du Mishkan, qui étaient faites en bois couvert d'or, et les tentures servaient de toit. C'était ça le Mishkan, ce n'est pas le Beth Amikdash de Yerushalayim, c'est le Mishkan qui était qui a été construit dans le Midbar et qui va être, après ça, on va faire rentrer les ustensiles qu'il y avait à l'intérieur au Beth Amikdash de Yerushalayim. Et les tentures qui étaient posées sur ces tentures-là qu'on vient de décrire, elles étaient faites en poils de chèvre. « Ve'asita yiriot izim le oel ala mishkan » Acheter Esrei Yiriot. Cette fois-ci, ce n'est pas 10, mais c'est 11. 11. Et ces 11 aussi vont être divisés en deux parties, en deux assemblages. L'assemblage de 5, l'assemblage de 6. Il y a 5, il y a un assemblage. Il y a un assemblage de 5. Ken, il y a un assemblage de 5. Et il y a un assemblage de 6. L'assemblage de 5. Elles étaient cousues, les tentures faites en poils de chèvre. Et les 6 autres étaient aussi cousues un assemblage de 6. Donc il y a un assemblage de 6 et il y a un assemblage de 5. Et elles aussi étaient réunies, elles étaient attachées avec par l'intermédiaire de l'oulaot, qui sont des boucles dans lesquelles on introduisait des krasim, mais cette fois-ci qui n'étaient pas faits en or, étaient faits en nechoshet, qui étaient en cuivre. Alors, ça c'est ainsi est la description des yiriot du Mishkan. Le Shem Yishuel ramène un Baal HaTurim, je lis maintenant, « V'yesh l'avin lama lo chiber koles yiriot » Il commence par une remarque. Pourquoi il était nécessaire de diviser en deux les 10 tentures inférieures en deux, 5 et 5, et de les attacher par ces agrafes en or? Et pourquoi, et la question se pose aussi pour les tentures faites en poils de chèvre aussi, pourquoi il fallait les 10, qui est 5 et 6, pourquoi ne pas coudre les 11? Et pourquoi ne pas coudre les 10? Vekaet matzati beBaal HaTurim keneged chamesh adibrot aluarze vechamesh aluarze. Dans le Baal HaTurim nous ramène que les 5 et 5, donc les tentures inférieures, font une allusion au Aseret Adibrot qui était elle aussi 5 et 5. Par ailleurs, le Shem Yishuel explique qu'il était important de diviser parce qu'il fallait que le point de connexion des deux assemblages 5 et 5 qui se faisait par les crassiers car César, donc par ces agrafes en or, il fallait qu'il soit à la frontière, à la limite qu'il y a entre le Kodesh et Kodashim et le Hechal. Et pourquoi c'était important? Parce que la Kdusha, la Kdusha qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim n'est pas la même qui se trouve dans le Hechal, là où il y avait la Menorah et le Shulchan et le Mizbeach HaZahav. Et du fait que ce n'est pas le même niveau de Kdusha, il fallait que même... Lochiber kol eser iriot, je reprends le texte du Shem Yishuel, « V'yesh l'avin lama lochiber kol eser iriot, velo ayan yitzrach l'ekrasim v'lelulaot » Pourquoi on n'a pas fait un assemblage des dix yiriot sans avoir besoin des loulaot, des boucles et aussi des krasim, des agrafes en or pour attacher les deux assemblages? Pourquoi faire?
on pouvait faire une tenture. Et de la même manière qu'ils ont cousu les 5, ils auraient pu coudre toutes les 10. Au Gvardi Marlumizé, par ailleurs, on a déjà parlé de ça, donc je vous ai un petit peu dit ce qu'il aurait dit par ailleurs. Bekaet Matzat Yebal Aturim Keneget Hamesh Adibrot Alouarze, Hamesh Alouarze. J'ai trouvé dans le Baal HaTorim qui parle de 5 tentures qui correspondent ou qui sont parallèles aux 5 dibrot d'une des tables et aussi 5 autres par rapport à l'autre table. Ulfi darko yesh liten tam al yiriot haizim. Si on va dans le même sens, il faudrait expliquer ce qui n'a pas fait le Baal HaTorim. Quel est le sens des 11? Des 11 qui sont faits en poil de chèvre, yeriot haizim, qui est la tenture qui est posée sur la tenture inférieure. Alors, il y a les 10 en bas, qui sont 5 et 5, et il y a les 11 par-dessus, qui sont 5 et 6. Et ça, le Baal HaTorim ne nous a pas donné une explication. Et il dit, le Shem Ishmuel, qu'on peut tout seul, le Fidarko, si on va dans le sens du Baal HaTorim, « Yeshtitet tam al yiriot haizim shayu » Donc, ils étaient 5 et 6. Chez Me'achar, Shayiriot, Atartonot, Ayuk, Eneged, Alouchot. Puisque les Yeriot, les tentures inférieures, elles correspondent aux Louchot, c'est-à-dire aux Aseret Adibrot, aux 10 commandements. Yeshlomar Nami, Shayiriot, Izim, Ayuk, Eneged, Klal, la Torah. On va pouvoir dire que les Yiriot Izim, que les tentures qui étaient au-dessus, elles correspondent à la Torah qui est Chamesh, Chamesha Chumche Torah, Keneged Chamesha Chumche Torah, Veshesh Keneged Shisha Sidre Mishnah, et 6, c'est en parallèle, et elles correspondent au Shisha Sidre Mishnah, puisque nous avons 6 livres de Mishnah, Zraim, Moed, Nashim, Nizikim, Kodashim, Betaharot. Alors, c'est bien beau tout ça. Les remazim, les allusions, les chiffres. Et nous, ce qu'on veut, c'est comprendre le fond des choses. Alors, il nous dit le Shem Ishmuel, « Ulfi amo yesh lomar binyan akrashim shamru zal » La Gemara, dans Masechet Shabbat, nous dit « Mishkan karoui mishkan ven akrashim kroui mishkan » La Gemara, elle affirme ça quand elle parle de quel... Quelles sont les matières, quelle est la matière, les matériaux qui peuvent devenir tamés quand on fait une enceinte qui est faite en une certaine matière et qui a un mètre dans cette enceinte, dans ce OL, dans cette maison. Et est-ce que la maison elle-même devient tméa? Les personnes qui rentrent, ils deviennent tmi, mais est-ce que l'enceinte elle-même devient tmiya? Alors la Mishnah dans Seret Shabbat, que nous lisons tous les vendredis soirs dans Bemem Adikin, nous dit que aucune matière ne devient tmiya à part le pishtan. Pourquoi? Parce que la tumat met, la Torah elle a appelé Oel, tumat Oel, et le mot Oel figure aussi dans le Mishkan, Ken. Donc la Gemara, elle apprend Gzerashava que la seule matière qui est végétale, hein, on parle de matière végétale, qui pourra devenir Tmea, ce n'est que le Pishtan, c'est-à-dire le lin qui se trouvait dans le Oel, qui est appelé Oel à Mishkan. Alors de là, la Gemara affirme qu'on ne va pas pouvoir dire que le bois, par exemple, c'est les Krashim, ils sont faits en bois, eux aussi vont être tmeim s'ils sont la matière avec laquelle on fait le ohel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ohel. Le mishkan est appelé ohel et pas les krashim. Qu'est-ce qu'on appelle ohel? Uniquement les tentures. Ça, c'est l'affirmation de la Gemara. Je ne vais pas m'étaler sur la sugya de la Gemara, mais l'affirmation est qu'est-ce qu'on va appeler Ohel dans le Mishkan? Alors, très souvent, on appelle le Mishkan Ohel Moed, d'une manière générale, mais on voit
dans des psukim, certains psukim, dans nos parashiot, jusqu'à aussi dans Vayakel Pekoudé, que le mot Oel est utilisé pour indiquer, pour, disons, traiter et indiquer, comme je dis, les tentures elles-mêmes. Les tentures sont appelées Oel et pas les krashim, c'est-à-dire et pas les planches, pas les piliers, les poutres qui sur lesquels les tentures étaient posées. Chez Inyan Mishkan, alors donc Mishkan karoy Mishkan, ve'en akrashim karoy Mishkan. Chez Inyan Mishkan ou ofaat ora Torah. C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est l'apparition de la lumière de la Torah. Vehu nikra Ohel, et il est appelé Ohel, que Moshe Piresh Rashi, dans la Gemara de Shabbat, Shumi Lashon Behilo Nero Ale Roshi. Il est important de vous rappeler ce que dit le Ramban dans l'introduction de notre parasha, l'introduction de son commentaire sur notre parasha. Nous dit le Ramban quelque chose de fondamental. Veine, ikar ha-chefetz ba-mishkan u-makom menuchat ha-shchina tehu ha-aron. L'essentiel du Mishkan, c'est quoi? C'est l'endroit où la Shchina, menuchat ha-shchina tehu ha-aron, c'est le dévoilement de la Shchina qui est où et par l'intermédiaire de quoi? Où Aaron, l'arche, le Aaron où se trouve les Luchot Abrit. C'est-à-dire le dévoilement de la Shrina se fait de là-bas. Comme nous dit le Pasuk, Veno Adeti, le Chacham, le Dibarti, Tran, et Alakapor, et Niben, Shnakrovim, Asher, Alaron, Aedut, et Kol, Asher, Atsavi, Otral, Ben Israël, Alken, Igdim, Aaron, de Akapor, et Bekan, qui ou Mugdam, et Maala. Ça veut dire que le Aaron, c'est l'essentiel du Mishkan. Et c'est par le Aaron, par le Aaron et Malouchot, okay, parce qu'il y a beaucoup de choses au Beth Amikdash. Il y a la Menorah, il y a le Shulchan, il y a le Mizbeach HaKtoret, il y a le Mizbeach HaNechoshet, dans lequel on faisait tous les korbanot. Alors, ne crois pas que l'essentiel du Beth Amikdash, c'est l'autel avec les korbanot. L'essentiel du Beth Amikdash, nous dit le Ramban, c'est le Aaron avec les Luchot. C'est pour cela qu'on doit le construire en premier, comme on le voit dans notre paracha. Et c'est là-bas où la parole divine apparaissait. La parole divine, elle passait entre les deux Kruvim, et de là, elle parvenait aux oreilles de Moshe Rabbeinu. Et nous dit le Ramban dans la suite, « Vesod ha-mishkan » ou « Sheyi ha-kavod asher shachan al-ar Sinai shochen alav benistar » L'essentiel du Mishkan, c'est que le dévoilement divin qui s'est fait au Har Sinai se continue. On le prend avec nous, ce dévoilement divin. Et on le prend où? Dans le Mishkan. C'est-à-dire, le Mishkan, en réalité, on perpétue le Matan Torah. Le Mahamad Har Sinai, il est perpétué par le Mishkan. Le Mishkan, c'est un état de révélation divine telle qu'on a eu au Har Sinai, qui se continue, qui se poursuit. On permet avec le Mishkan que le Mahamad Har Sinai continue et ne s'arrête pas. C'est ce qu'il dit le Ramban après. Vayab Mishkan Tamid Am Israël, pardon, Vayab Mishkan Tamid Im Israël Akavod Shinira Lahem Har Sinai. Dans le Mishkan, il y avait le Kavod, c'est-à-dire la gloire divine qui se dévoile, qui se trouvait au Har Sinai, elle se trouvait dans le Mishkan, et elle continue jusqu'à qu'on fait rentrer ça au Beth Amikdash. Donc, ce n'est pas deux révélations, ce n'est pas deux états de situations différentes. Ce qu'il y avait au Har Sinai ne s'est pas arrêté. Il s'est poursuivi dans le Mishkan, et il s'installe, et on l'installe à Yerushalayim au Beth Amikdash. Le Mahamad Har Sinai se trouve au Beth Amikdash. C'est une chose qu'on comprend, je pense que tout le monde le comprend, mais c'est important de bien le définir, que l'essentiel du Mishkan, c'est le Aaron avec les Luchot. Pourquoi?
Parce qu'en réalité, le haron avec les lochot, c'est mettre en boîte, si je peux m'exprimer ainsi, c'est plier et mettre en compact le Mahamad Arsinaï dans le Mishkan pour pouvoir le continuer. De la même manière qu'Arjouchou s'est adressé à Moshe dans le Mishkan, Moshe Rabbeinu Alav HaShalom, qu'aujourd'hui c'est Yom Tirato Aval Ledato, et Moshe Rabbeinu, il entendait la voix divine parler entre les deux crouvines qui se trouvaient sur la caporette du Aaron à Luchot, Aaron à Edout. Et c'est ça l'essentiel du Mishkan, c'est ça l'essentiel du Beit HaMikdash. C'est la révélation divine. C'est ça qu'on doit attendre. On espère la construction du Beit HaMikdash. Qu'est-ce qu'on veut de cette construction du Beit HaMikdash? On veut retrouver la révélation divine qui s'est fait au Har Sinai et qui devait persister, qui devait se perpétuer dans le Mishkan et s'installer au Beit HaMikdash à Yerushalayim. Et Vetehezena Elenu Beshuvacha Letzion Berachamim, on attend de revoir cela. Kimitzion Tetzetora Odvar Hashem Yerushalayim. Donc, c'est pour cela que le Shem Ishmael peut nous dire maintenant que le Inyan, chez Inyan Amishkan ou Afarat Oratora. Mais, comme il vient de ramener précédemment, la Gemara dans Shabbat nous a dit que l'essentiel, que la lumière de la Torah, elle apparaît d'Afka dans les tentures. La Torah elle-même, comme on vient de le dire dans le Ramban, c'est le Aaron avec les louchot. C'est les louchot abrit. Mais le reflet, la lueur de cette lumière de la Torah elle-même, par quoi elle s'exprime, où est-ce qu'on la reconnaît? On la reconnaît dans les yériot. Parce que vous savez que la Torah elle-même dans son essence, on n'a pas à nous de perception. Elle est trop forte pour nous, elle est trop puissante. Donc, notre union avec la Torah et notre perception de la Torah, elle se fait pas dans la source de la lumière, okay? Parce que c'est trop éblouissant. Elle se fait d'Avka dans la propagation de cette lumière, dans les reflets et la lueur de cette lumière-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir saisir la Torah et la percevoir. Et Ve'u Nikra Oel. Et vous savez que le mot Oel, c'est ce qui nous ramène la Gemara de Shepiresh Rashi Masechet Shabbat Shumenachon Beilo Nero Aleroshi. Ça, c'est une Gemara que nous connaissons, mais il faut faire attention à ce détail-là. C'est que la Gemara, par rapport au fait que Am Israël ont mérité les ktarim, les deux couronnes quand ils ont dit Niasse Unishma au Mahamad Har Sinai, et en fautant tous ces ktarim là, de Niasse Unishma, ces couronnes là, les ont quittés, ou plus précisément les Malachi Chabala sont venus les retirer, les prendre, et où elles sont passées ces couronnes là qu'Am Israël ont mérité au Mahamad Har Sinai et qu'ils ont perdu? Eh bien, ils sont passés chez Moshe Rabbeinu Alav HaShalom, comme nous dit la Gemara, ou Pirkum, chez Nehemar, va yitnatslu bnei Israël et tzidiam me'al Horev, et la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, de Kulan Zacha Moshe. Moshe Rabbeinu, lui, il les a tous reçus. Il a reçu toutes les couronnes de Am Israël et sont tous passées chez lui. Toutes les couronnes des 600 000 multipliées par deux, parce que c'est deux couronnes, Naaseh v'Nishma, et sont tous passées chez Moshe Rabbeinu Alav HaShalom, Raya Me'emna, Tzadik Yesod Olam, Amar Rabbi Yochanan, Lekulan Zacha Moshe, on est à l'âne des Samichle, et d'où on apprend cela? C'est Moshe qui les a tous reçus. La Gemara nous dit, ou Moshe Ikach et Ha'Oel. Vous savez que quand Am Israël ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu a pris la tente, le Oel,
c'était encore pas le Mishkan, c'était une première tente qu'il y avait où Moshe Rabbeinu rentrait à entendre les paroles divines et aussi enseigner la Torah. Et Moshe Ikach et Ohel, et il est sorti du Machane. Il voulait plus rester à l'intérieur du Machane de Am Israël qui fautait. Il est sorti où Moshe Ikach et Ohel, Yatsa et Mechutz la Machane. Il sortait en dehors du camp. Et qu'est-ce que fait ce pasouk là? Quel est le rapport entre ce pasouk et la récupération, le fait qu'il a gagné, qu'il a mérité toutes les couronnes qui ont quitté les Bnei Israël, les 120 000, les 1 200 000, pardon, 600 000 multipliés par 2, c'est 1 200 000 couronnes qui sont passées chez Moshe Rabbeinu. Évidemment, c'est des couronnes spirituelles. C'est la perception de chaque juif, que chacun a perdu sa perception et tout s'est concentré chez Moshe Rabbeinu. Et on apprend ça qui est écrit « Umoshe ikareta ohel ». Et Rashi nous explique c'est quoi « Umoshe ikareta ohel ». Que le mot « ohel » vient du mot « hel ». Hilo. Hilo, c'est lumière. Il y a d'autres tsukim là-dessus, les commentaires, même les commentaires, le pasouk que ramène Rashi, c'est « Behilo Nero ». Quand Yov dit « Oh, avant, j'avais la lumière, j'avais sur moi la lumière, Behilo Nero, il éclairait sur moi la lumière, le nerf. Hein? Il éclairait sur moi le nerf. Behilo, c'est en éclairant sur moi le nerf. Hein? En éclairant, Behilo Nero. Et tous les commentaires sont d'accord. Et vous voyez que même Rashi dit que le mot Oel ici, ou Moshe Ikar et Oel, on apprend de là que Moshe, il a tout pris. Le quoi? Le Oel. C'est quoi le Oel? Toute la lumière. Il a pris toute la lumière des Bnei Israël qui sont les couronnes qu'ils ont méritées. Et Tosfot aussi, ils vont dans ce sens. Il dit, et Tosfot précise, et même Rashi le dit, que c'est de là qu'est venu le visage rayonnant de Moshe Rabbeinu. Le visage rayonnant de Moshe Rabbeinu, okay, vient de tous les Ktarim qu'il a concentrés en lui. Mais d'où on l'apprend? Du fait qu'il est écrit dans la Torah que Moshe, il a pris le Ohel. Et ça veut dire quoi, il a pris le Ohel? Ça veut dire qu'il a tout, concentré en lui, de la lumière, donc de la perception de la Torah de tous les Bnei Israël. Comme quoi, après le Chet HaEgel, on ne peut pas s'en Moshe. Même avant le Chet HaEgel, on ne pouvait pas s'en Moshe. Mais au Mahamad Har Sinaï, Am Israël ont mérité un niveau individuel très très haut. Et donc, Moshe, c'est toujours Moshe, mais ce n'est pas la même chose, l'impératif de Moshe Rabbeinu en tant que celui qui révèle la Torah et qui nous enseigne la Torah, et que par lui tout passe et tout se dévoile à travers lui, et par lui tout passe, ça s'impose encore plus après le Chet HaEgel. Parce que ça s'impose plus, même avant, c'est certain, mais ça s'impose encore plus parce que notre niveau individuel, on l'a perdu, on est devenu entièrement dépendant de Moshe. On est dépendant de Moshe, on ne peut pas avoir nous-mêmes personnellement un niveau de Torah et de spirituel sans la force et le mérite et le pouvoir de Moshe Rabbeinu, qui continue jusqu'à nos jours, comme le Zohar nous dit que la lumière de Moshe Rabbeinu, la Itpashtut, l'épanchement. Pas le dévoilement, mais la Itpashtut. L'Itpashtut, le rayonnement. Non, pas la diffusion, il y a un autre mot, non. Pas diffusion, mais bon, ça peut être diffusion de la lumière de la Torah, continue à se faire par Moshe. Et tous les tzadikim et tous les chachamim de toutes les époques… La propagation, il y a un autre mot. Extension, peut-être, non, peut-être, bon. En tous les cas, cette itpashtut là, elle existe jusqu'à notre époque. Et tous les chachamim de toutes les époques, les grands chachamim, les grands de Am Israël, eux, ils ont cette prina là, cette
lueur de Moshe Rabbeinu va donner à ce Chacham-là la capacité de pénétrer dans la Torah, de pénétrer dans la connaissance de la Torah. Et comme la Gemara dit, que Moshe Shapir Ka'amart, un Chacham a dit à l'autre, qui ne s'appelait pas Moshe, un Amora a dit à l'autre, a dit, « Oh, ce que tu dis, Moshe, c'est bien, mais il ne s'appelle pas Moshe, hein, parce qu'il est tellement grand dans la Torah qu'il l'a appelé Moshe, même s'il ne s'appelle pas Moshe. » Tout ça pourquoi? Parce que toute grandeur de Torah, elle est dérivée de Moshe Rabbeinu, à toutes les époques, jusqu'à notre époque. On ne peut pas sans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le centre. Et c'est pour cela, et c'est ce que la Gemara nous apprend dans Maseret Shabbat, c'est qu'avec le Chet HaEgel, tout ce que nous, on a pu avoir en perception, même ça, c'est passé chez Moshe. Et Moshe Rabbeinu, à toutes les époques, il va nous le donner, il va nous rendre un petit peu. Il n'y a que les tentures qui sont appelées Oel, donc Oel dans le sens de lumière, dans le sens de rayonnement de la Torah. Il n'y a que ça qui est appelé Oel. Pourquoi Oel? Parce que le mot Oel en hébreu, il contient le mot, la racine He Lamed, et cette racine He Lamed signifie lumière. Ça, c'est Rashi nous le dit, ça apparaît clair même dans les psukim des Nevi'im et des Ktuvim. Ve'alken mishkan shehua ohel nikraot rak ayiriot shiromzot la Torah. Aluchot ve'Torah shebirta ve'Torah shebe'alpe aussi apparaissent dans les tentures, mais les tentures inférieures, elles vont représenter ou être la lueur. Les tentures inférieures vont être la lueur des luchot abrit qui se trouvent dans le haron. Et les... Allô? Et les yériot qui sont supérieurs, qui sont faits, donc on a dit avec le poil de chèvre, qui sont 5 et 6, elles représentent les Chamisha Chumshe Torah et les Shesha Sidre Mishnah, qui sont en réalité dérivés, qui ressortent de la Torah, qui jaillissent de la Torah, qui jaillissent des Luchot Abrit. Les Luchot Abrit contiennent toute la Torah. Et de ces Luchot Abrit sort la Torah Shibirtav et la Torah Shebealpé. On sait que la Torah Shibirtav, en réalité, c'est la parole divine. La Torah écrite, c'est la parole divine telle qu'elle va être révélée à Moshe Rabbeinu. Et la Torah chez Béalpé, c'est en réalité le développement, le détailler ce que la Torah chez Birtaf contient, il va falloir l'éclater. C'est quoi la Torah chez Béalpé? C'est tout ce qu'il y a dans la Torah chez Birtaf éclaté, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, la Torah chez Birtaf, elle a une grande gdoucha parce qu'elle contient tout. Mais elle contient tout sans que les choses sont réalisables en réalité. On ne peut pas réaliser la Torah chez Birtaf, parce que la Torah chez Birtaf, c'est les grandes lignes, les grands décrets. Et ça comprend toute la halakha, ça comprend tout ce qu'on a en drashot, en midrash, en sodot à Torah. Tout est écrit, tout est inclus dans la Torah chez Birtaf. Comme je vous ai raconté une fois, le Gaon de Vilna, quand il a décidé de sortir en galoute pour expiation, okay, et pas tellement pour expiation, mais j'aurais dit peut-être plus pour sentir ce que la Shrina ressent. La Shrina, elle est en galoute. Alors, les tzadikim, à un certain moment, eux aussi, ils sortaient en galoute, ça veut dire être errés et être comme en vagabond, inconnu par personne, malgré que c'était des grands. Et il veut ressentir ce que la Shrina souffre, un petit peu sentir ce que la Shrina souffre, toutes les 2000 ans de la galoute, elle souffre. Et les tzadikim, à un certain niveau, eux aussi veulent sentir la souffrance de la Shrina. Donc ils sortent en galoute.
Mais le Gaon de Vilna, il pouvait pas vivre sans livre. Mais il avait une solution très simple, Gaon de Vilna, parce qu'il était Gaon. Gaon à Gaonim. Il a pris un Tanakh et il faisait Chazara. Il pouvait réviser tout la Mishnah, tout Sifri, Sifra, Mechilta, Mechilta, Sifra, Sifri, et tout Tosefta, tout le Chas Bavli, tout le Chas Yerushalmi, tout le Midrash Rabat Tanchuma et tous les Midrashim, tout le Zohar Akadosh, tous les Tikkuné Azohar, tout en lisant un Psukim, tout voir dans le Pasuk. Tout. Toute la halakha et tous les sodotes. Tellement la Torah elle tournait dans sa tête Gdosha. Tout était inscrit. Donc, c'est ça la Torah chez Birtav. Et c'est bien sûr ça, les Luchot Abrit. Mais le Luchot Abrit, c'est encore une dimension encore beaucoup, beaucoup plus haute. Mais la Torah chez Birtav, en réalité, contient tout. Toute la Torah. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fin à ce qu'on peut interpréter et tout découvrir et tous les plus petits détails de la Torah chez BLP se trouvent inclus dans la Torah chez Birtav. Quand on dit Vaidaber Adonai chez les morts, Vaidaber c'est Torah chez Birtav, nous dit le Shaharé Ora, les morts c'est Torah chez BLP, le Dibour c'est Torah chez Birtav, les morts c'est Torah chez BLP. Dans les Sfirot, Latif Eret ou Zeir Anpin, c'est la Torah chez Birtav, et la Malchut, qui est le dévoilement dans le monde. Parce que la Torah chez BLP, c'est vivre la Torah. La Torah chez Birtav, c'est la Torah dans son état, j'aurais dit, entre guillemets, brut. Mais brut qui contient tout. Mais elle n'a pas encore éclaté. Elle contient tout, mais on ne voit rien. Hein, je dis, il faut décortiquer, il faut éclater pour voir, mais il y a tout. Et c'est la Torah chez BLP qu'on étudie, qui est le centre de notre vie, qui est Hayenu Vorechamenu, qui nous permet de pouvoir vivre la Torah. C'est ça la Malchut. La Malchut, c'est l'émanation de la divinité dans le monde, dans ce monde-là. Et on va encore en reparler. Donc c'est pour cela qu'on a besoin des Chamisha Chumshe Torah et des Shisha Sidre Mishnah. Chamisha Chumshe Torah, c'est la Torah, l'émanation de la sagesse divine dans ce monde. Et la Torah chez BLP, c'est descendre cette émanation qui est apparue dans le monde, mais qui n'est pas encore descendue à la réalité, dans tous les détails de la réalité, qui est la Torah chez BLP. Nous tous, qui ces derniers temps, on étudie, bon, et certains Ilchot Ribit, d'autres Ilchot Shemitah, on voit combien il y a un ou deux pasouks dans la Torah, et il y a Tile tilim shel alachot, tile tilim shel alachot. Et ça, c'est la Torah chez BLP, qui en réalité, tout est inclus, mais il faut savoir compter les lettres et connaître toutes les combinaisons et les ken, et tous les rachetevot, tous les gematriot, même le pshat, même le drash, les allusions, les racines de mots, la grammaire, tout rentre. Torah chez Birtav, Torah chez BLP, 5 et 6. Il y a évidemment une explication pourquoi c'est 5 et 6, mais je ne vais pas maintenant m'attarder là-dessus. Avalakrashim, Inyan Acher Ayabahem. Là, le Shem Ishmael va nous parler un peu des Krashim. Les Krashim, comme je vous ai dit, on peut les traduire planche, on peut traduire poutre, on peut les traduire pilier. Peut-être je préfère le mot pilier dans le sens où c'est en réalité, bon, c'est des colonnes qui étaient juste juxtaposées en bois, qui étaient recouvertes d'or, juxtaposées et qui formaient un mur. Et qui étaient posées sur des socles qui étaient eux-mêmes faits en bois, recouverts d'or. Et qu'est-ce que c'est les krashim? Aval akrashim, inyan acher ayabahem. Behaïnu ki adanim milashon adnut. On a déjà parlé de cela, que les adanim, ces socles-là, ils s'appellent Eden. Eden avec Aleph. Pourquoi ils s'appellent Eden? Parce que ça fait allusion au mot Adon. Eden, c'est la même racine que le mot Adon, qui est maître, et qui est en réalité le fondement du Mishkan. C'est quoi? C'est de prendre sur nous le joug de notre maître qui est Akadosh Baruch Hu.
Veinu ki adanim milashon adanut shigit kvod kotsho avi. Mon père nous disait, le Avné Nezer, donc le père du Shem Ishmuel, sheromzot le kabbalat ol machut shamayim. Les adanim, c'est la base, c'est le fondement. Et c'est quoi le fondement? C'est prendre sur nous le joug divin. Kabbalat ol machut shamayim. Adkan dvarav. Venir'e shekalal beze asiyat ha-mitzvot befoal. C'est quoi maintenant Kabbalat Al-Mokhut Shamaï? Alors là, le Shem Ishmuel va nous donner une définition importante et fondamentale. Vénéré, Shekalal, Bézé, Asiyat, Amizvot, Befoal, Shézé, Ouikar, Al-Mokhut Shamaï. Quel est l'essentiel de Kabbalat Al-Mokhut Shamaï? Qui a Sagot, Enan, Le Hol, Ela, Matok, Midvaj, Venofet, Soufim. Et à Sagot, la perception divine. Comprendre, s'évader vers le haut pour embrasser des notions spirituelles, pour se sentir collé à la haute spiritualité, tout ça, c'est pas un hall, c'est pas un joug, c'est un plaisir, c'est un nouk. Matok midvash est plus doux que le miel, benof et tsufim, que les délices. Alors, est-ce qu'on peut appeler maintenant la perception divine, la compréhension, arriver à pénétrer dans la sagesse divine la plus haute, est-ce qu'on peut appeler ça un hol, un joug? Non. Alors c'est quoi Adanut le Eden? C'est quoi la Kabbalat Al-Mokhut Shamayim? Ça ne peut pas être la compréhension profonde de la Torah. C'est quoi? Ve'asiya yesod hakol. C'est l'action. L'action, agir. Réaliser la volonté divine, ça oui, c'est un joug. Comprendre, les gens, ils aiment, en général, le cœur humain tend à vouloir s'évader, s'envoler, voltiger vers le haut. On aime ça. De la même manière que l'homme, il aime ce qui est doux au palais, il aime aussi ce qui est doux à l'intellect ou à l'esprit. Un homme, il aime ça. Très souvent, je parle des gens qui sont raffinés, il y a des gens peut-être qui sont plus grossiers, plus terre-à-terre, mais en général, l'homme aime cela. Philosopher, réfléchir, méditer. Et donc, on ne peut pas appeler ça Kabbalat Al-Mokhut Shamayim. C'est quoi Kabbalat Al-Mokhut Shamayim? Asiya, faire. Asiya yesod hakol, l'action. Ou que Moshe Yev Charlie Vnot Binyan Bli Esod, de la même manière qu'on ne peut pas construire un édifice sans fondement. Ken Yev Charlie Bilti Asiata Mitzvot Befoal. Ainsi, on ne peut pas sans la réalisation des mitzvot dans l'action. Va Filou Imiyar Er Besod Atfilin Kolayom. Même si un homme va toute la journée méditer et penser au secret de la mitzvah des tefillin, il y pense, il pénètre le fond et le secret de la mitzvah. Kolayom, toute la journée, il ne fait que ça. Afilu betziruf dvikut atzma, même s'il le fait avec une dvikut, avec une attache à la divinité, atzuma énorme. Im lo yikayem ha-mitzvah befoal, s'il ne va pas accomplir la mitzvah, il ne va pas la réaliser pratiquement, dans la pratique. Il n'a rien fait. Malgré qu'il pense toute la journée à la mitzvah des tefillin et au secret et au sens et au secret de la mitzvah, et il y pense avec aussi, même avec ferveur et avec dvekut, il n'a rien. Et il aura enfreint une mitzvah de la Torah, tefillin, vu karkafta de la manar tefillin, est considéré comme un crâne, si je peux, c'était la traduction la plus proche, un crâne qui ne pose pas sur lui les téfilim. Karkafta, c'est la karkefet, c'est le crâne, je crois, en la traduction. Ach mikol makom, mais d'un autre côté, malgré cette affirmation très, très, j'aurais dit, aiguisée, une affirmation bien aiguisée, qu'un homme peut s'évader dans la compréhension de la Torah et dans le sens et les secrets, l'explication, les commentaires, etc.
s'ils ne réalisent pas les mitzvot, ça, ce n'est rien, ça vaut rien. C'est une affirmation très puissante. Mais aussi, il y a l'autre face de la pièce, Armikol Makom, Efresh Yeshben Asiya Blishum Asaga, Le Asiya Betsiruf Asaga. Mais il y a une différence énorme. Quelqu'un qui fait avec compréhension, avec intention, avec perception, il y a une différence entre lui et celui qui ne fait que l'action sans compréhension et sans intention et sans perception. Et la différence, il la compare, Kirchok Mizach Nimaharav, comme l'Est et l'Ouest sont loin, on comprend la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, c'est deux opposés. Veodioter, l'Est et l'Ouest sont très opposés, n'est-ce pas? Eh bien, la différence qu'il y a un homme qui fait en comprenant et un homme qui fait sans comprendre, c'est plus que la distance et l'opposition qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Donc, on a une autre affirmation aussi dans le sens inverse qui est aussi puissante que la première. Alors, je pense que c'est très important de retenir ces deux affirmations qui sont vraies et que tout le monde est d'accord là-dessus. Tous les chachamim, du niglé et du nistar seront d'accord avec cette affirmation. Surtout, évidemment, on rentre dans le nistar, plus on comprend la valeur de ces deux affirmations-là. Ne vouloir vivre que par l'étude et la perception et la compréhension des mitzvot et l'approfondissement sans les réaliser dans l'action, c'est rien. C'est considéré comme rien, et au contraire, la Gemara dit même il aurait mieux valu qu'un homme comme ça qui étudie sans réaliser ne soit pas créé. Ça, c'est une affirmation de la Gemara. Mais on a aussi l'inverse, enfin l'autre face qui dit que la réalisation avec compréhension et perception n'est pas comparable à celui qui fait sans comprendre, sans connaître. Et plus on connaît le fond des choses, plus l'intensité de la mitzvah, elle est grande, plus son influence, elle est grande. Mais c'est pas sur le même plan quand même. C'est pas sur le même plan. C'est quand même plus important de faire sans comprendre. Je suis d'accord avec toi, Avi, que faire, même sans compréhension, c'est beaucoup, beaucoup mieux, de toute façon, ça apparaît, ça transpire de ce qu'il a dit, que c'est beaucoup, beaucoup mieux que de tout comprendre sans rien faire, ça c'est certain. Mais malgré tout, il faut qu'on savoir que faire, et plus je comprends, plus la mitzvah elle a un pouvoir et une influence, au point que le Shem Shmuel a affirmé que celui qui fait sans comprendre et celui qui fait en comprenant, surtout quand il approfondit beaucoup et qui comprend le sens des choses et qu'il a l'intention qui va évidemment avec le sens des choses, eh ben, la différence elle est énorme, la distance entre les deux elle est grande. C'est quoi les krashim? C'est quoi ces poutres-là? Ces colonnes qui réquiennent? Les krashim, qui sont donc les colonnes ou les piliers, les poutres, qui, elles, attachent, elles vont lier, elles vont connecter quoi? Les tentures et les socles. Donc, quel est le pouvoir des krashim de les kasher, d'attacher la lumière de la Torah qui émane des tentures, c'est-à-dire les tentures, c'est la lueur de la Torah, et les adanim sont les socles. Qui est-ce qui va attacher le socle à la lueur de la Torah? Ce sont les krashim. Vehainu, shayu mekashrim et Torah aramuz biiriot et la adanim,
Shem Asiya et Keresh Otiot Kesher. Les lettres du mot Keresh, c'est Kesher. C'est les mêmes lettres. Beifuch Advan, en inversant les lettres, en changeant l'ordre des lettres. Pour nous dire donc que si, a priori, les Krashim, c'est eux, c'est les Krashim qui vont permettre la connexion, le lien entre la lueur de la Torah et la Kabbalah Tolom Achut Shabbay. Et c'est ce qu'on en vient de dire précédemment, c'est qu'en réalité, il n'y a pas l'un sans l'autre. On ne peut pas l'un sans l'autre. On ne peut pas l'un sans l'autre, c'est-à-dire le fondement qui est la Asiya, sans la perception. Mais ça encore, ça peut aller, comme a dit Avi précédemment. Mais la lumière de la lueur de la Torah, sans le socle, on ne peut pas. Mais qu'est-ce qui réunit l'un à l'autre? C'est les Krashim. Keresh, la chante Kesher. Alors ça, le Shem Ishmael va soutenir ce qu'il dit en illustrant avec des sources. Ulfi Amur Yuvan ad Krashim Itachasim Achar Yaakov. Maintenant, on comprend pourquoi les Krashim sont en correspondent à Yaakov Avinu. On sont liés à Yaakov Avinu. Comment chez Pirvesh Rashi, Avale Lomar Veasita Krashim, dans notre parasha, il est écrit Veasita Hakrashim. Veasita Hakrashim. Tu feras les Krashim. C'est quoi Veasita Hakrashim? On aurait dû nous dire Veasita Krashim, tu feras des poutres. Quoi? Veasita Hakrashim, tu feras les Krashim. Quand on parle par exemple des Yériot, qu'est-ce qui est écrit? Veasita. Quand on parle de la Menorah, Veasita Menorah. Quand on parle des Yériot, on dit Veasita Eser Yériot. On ne dit pas Veasita Ha Eser Yériot. Et là, quand on te parle des Krashim, on te dit avec le He Ayedira, tu feras les. Ah, c'est des Krashim qu'on connaît, d'où on les connaît. Et ainsi, tu as Krashim. Krashim nous ramène ce que les Chazal ont interprété. On va lire encore un peu le Midrash. Je m'excuse, aujourd'hui, le shiur va se terminer un peu plus tard, mais je vais m'efforcer de ne pas trop tarder, avec votre permission. Le car Yaakov Avinu avait l'omar v'asit ha-krashim. Ma ou ha-krashim? Me'otam ha-omdim ou miyuchadim le car. Ceux qui étaient déjà destinés à cela. C'est des krashim, c'est des poutres, c'est des planches qui étaient déjà destinées à cela. Ce n'est pas des planches qu'on va maintenant chercher dans le désert, parce qu'on n'en trouverait pas non plus. Mais, a priori, okay. Mais où elles étaient déjà préparées, par qui? Par Yaakov Avinu, et on connaît tous le Midrash, que Yaakov Avinu, quand il est descendu en Égypte, Nata Arazim, il a planté des bois de cèdre, ou Kshemet, et quand il est décédé, Yaakov Avinu, Tziva Levanav La'alotam Inaem, Kshetzum Mitzrayim, il a ordonné ses enfants de les prendre avec eux en sortant d'Égypte, parce qu'il savait, Yaakov Avinu, qu'il y aurait plus tard, un Mishkan, et on aurait besoin pour construire le Mishkan de ces bois de cèdre. Mais pourquoi Yaakov Avinu ne s'est pas soucié d'autre chose, hein? Tout le monde connaît ce Rashi-là. Mais on aurait pu se poser la question, alors on dira, le bois de cèdre, on n'en trouve pas. Je ne sais pas si tout ce qu'il y avait là-bas, dans le Mishkan, on le trouvait dans le désert. Hein? Il y avait beaucoup de choses qui étaient dans le Mishkan que je ne sais pas comment on les trouve dans le désert. Et si ils ont voyagé pour aller les chercher, ils auraient peut-être fait aussi un petit saut pour aller chercher des bois de cèdre quelque part ou d'autres bois, je ne sais pas. On sent qu'il y a quelque chose de très particulier au Krashim. Yaakov Avinu doit s'occuper des Krashim, doit les préparer déjà. Alors maintenant, le Midrash de Rabba, très intéressant, qu'on connaît en partie, mais on ne connaît pas tout. « Vaïssa Israël v'chol asher lo, vayavo be'era shava. » Israël
Vaïssa Israël, Vechola Sherlo, Vayavo Bira Sherva. Quand Yaakov Avinu quitte Eret Israël pour aller rejoindre Yosef qui s'est dévoilé à ses frères, il passe en chemin par Be'er Sheva. Vaïssa Israël, Vechola Sherlo, Vayavo Bira Sherva. L'Echan Alach, le Midrash pose une question peut-être étonnante. Où il est allé? Il est allé à Be'er Sheva. Où il est allé? Les commentaires du Midrash expliquent qu'en réalité, il va maintenant en Égypte pour rencontrer son fils. Pourquoi il a besoin maintenant? On a l'impression qu'il devait rentrer dans la ville de Be'er Sheva. Pourquoi tu as besoin de rentrer, Mère Major? Qu'est-ce que tu n'es pas pressé de descendre en Égypte maintenant, voir ton fils, il est si attendu. Il a vécu un deuil pendant 22 ans, Yaakov Avinu, un deuil. Alors, maintenant que Yosef se dévoile, tu fais escale à Be'er Sheva. Bon, d'accord, en admettant que c'est ton chemin, mais tu n'avais pas besoin, la Torah n'avait pas besoin même pas de le préciser. Bon, si la Torah précise que tu passais à Be'er Sheva, c'est-à-dire qu'il y avait, une nécessité de rentrer à Be'er Sheva, il y avait un but. Quel était ton but? Vayavo Be'er Sheva l'Echan Alar Amar Nachman Shalach la Kot Sarazim Shenata Avraham. Il est allé à Be'er Sheva, la Kot Sarazim, de couper, de fendre les cèdres que Avraham avait plantés. Shavraham Zekeno Be'er Sheva Ermada Tamar Vaïta, comme c'est écrit, Vaïta Eshel Be'er Sheva. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la Torah à propos de Avraham Avinu? Vaïta Eshel Be'er Sheva. Il a planté à Yaakov Avinu un Eshel Be'er Sheva. C'est quoi Eshel? Il a planté. Alors là, il y a plusieurs explications dans Chazal. Rashi nous le ramène. Qu'est-ce que c'est ce Vaïta Eshel, okay, qu'Avraham Avinu a planté? Ils nous disent les commentaires que Vaïta Eshel, c'est entre autres les bois, le Erez, que Yaakov Avinu, qu'Avraham Avinu, le cèdre là-bas. Et donc, on l'a dans notre parasha aussi, dans le Targum. C'est pas du cèdre. Dans le Yonatan ben Uziel, dans notre parasha Trouma, Ken ve'aberia hatichon betochakrashim, dans le chapitre 26, pasuk 28, ve'aberia hatichon betochakrashim. C'est quoi le beria hatichon? C'est le l'axe, Ken, l'axe qui est fait en bois, lui aussi, qui doit lui rentrer à l'intérieur des krashim. Pour réunir, pour unir les krashim, il y avait des bâtons qui étaient 5 bâtons, okay. Enfin, il y avait 4 bâtons, j'aurais dit 2, et il y avait le beriah hatichon qui lui était introduit dans les krashim, et qui passait tout le long des colonnes, qui réunissait toutes les colonnes du nord, toutes les colonnes du sud et toutes les colonnes de l'ouest. Okay. Je vois que c'est traduit la traversée. Hein, il traduit, moi j'ai traduit axe. Je vois qu'il y en a qui traduisent la traversée, okay, le beria hatichon. En tous les cas, c'était un axe en bois, une sorte de bâton fin qui était introduit pour unir les krashim. Nous dit le Yonatan ben Uziel, d'où vient ce beria hatichon? Venigra metziaa begol uhaya meshalbesh min siafe le siafe min ilana denetzev Avraham be'er Sheva. C'était le beria hatichon d'Afka, lui il était fait des bois qu'a planté Avraham Avinu à Be'er Sheva, et que Yaakov Avinu est venu les récupérer, comme on le lit dans
comme on vient de le lire dans le Midrash Rabba. C'est-à-dire que dans le Midrash Rabba n'a pas précisé la différence entre les Krashim et le Briya Fatihon. Et le Yonatan de Nouziel nous le dévoile. Okay. En tous les cas, on voit que tous ces éléments-là du Mishkan sont des éléments qui ont été préparés par nos avot. Mais c'est des éléments qui concernent que les Krashim. Il y a les Krashim et même le Beriach. C'est l'axe qui va unir les Krashim. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce qu'on apprend de cela, pardon? Je reprends le texte du Shem Ishmael, où le Midrash va Issa Israël, Vechol Asherlo, Vayavo Bereshav, Alechan Alach, Amar Nachman, Shalach Lakot Sarazim, Shenata Avram, Zekeno, בבאר שבע, איך מה אתה אמר, ואיתה אשל בבאר שבע, כלא בבאר שבע, אברהם אבינו, il a planté un échel, il y a plusieurs explications, qu'est-ce que c'est échel, c'est peut-être un verger, où on pouvait prendre des fruits, où il prenait des fruits pour inviter tous ses orchim, mais c'est l'explication qu'on voit dans le Midrash, c'est qu'il a planté Avram Avinu des arazim destinés à construire le Mishkan. Et donc, Yaakov Avinu les aurait récupérés et les aurait pris en Égypte. C'est pour ça qu'il est rentré à Be'er Sheva. Et en Égypte, il a replanté cela et peut-être d'autres, si on considère le Yonatan Ben Uziel, je continue quand même. Vechen ou Betirgum Yonatan, Jeze Aya Abriya Khatichon, Imken Akrashim, Itarasim, Yaakov Avinu, Vabrichim, Leavram, Chinitan, Leakov, Sheketzatzan. Pardon, Vabrichim, Leavram, Chinitan. Avraham, il a planté le bois qui a servi au Berichim, et Yaakov Avinu, il les a coupés. Ou bevadai lo haya ze bemikre, c'est pas par hasard, shelo nitiaches le Yitzhak Avinu, echad ma'advarim ha'elu, lalu. Il semblerait que c'est pas par hasard que Yitzhak n'a pas de rôle dans cela, n'a pas de part dans cette préparation-là. Pourquoi? On va le comprendre par la suite. Achwa davar, she'amarnu, she'inyan akrashim ou lechaber et ha'or ha'torah, qu'est-ce que c'est le Keresh? Le Keresh, c'est unir la perception de la Torah, la compréhension de la Torah, la lumière de la Torah, la Asiya à la réalisation. Il faut qu'il y ait quelque chose, on doit avoir la capacité, on doit avoir la force, on doit avoir le pouvoir de toujours unir la compréhension de la Torah avec la réalisation. Il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre à ce niveau-là. Qui est-ce qui avait cet équilibre-là d'unir la lumière de la Torah avec la réalisation, c'est-à-dire l'étenture avec les Adamim? C'est Yaakov Avinu qui, lui, est le Keresh. Yaakov Avinu, c'est lui la colonne qui réunit. C'est pour ça qu'il s'est occupé de les planter et de les couper et de les remettre en Égypte. Alken mitiaches achar Yaakov Avinu de achid betren, parce que Yaakov Avinu, il tenait les deux. On sait que, par exemple, c'est quand même que Yaakov Avinu, Yoshev Oalim, c'est peut-être deux Oel, peut-être c'est aussi une allusion qu'il y a deux tentes. Il y a la tente de la compréhension, la tente de réalisation, et il était entre les deux. Viadua Mashama Zohar Kadosh, le Zohar Kadosh nous dit Binyan Rachel Velea, que Rachel Velea, c'était aussi ces deux dimensions. Shem Alma Ila, la dimension du monde supérieur, Alma Tata est la dimension du monde inférieur. Léa, c'est la dimension du monde supérieur, c'est-à-dire la perception de la Torah, la compréhension de la Torah, c'est de l'au-delà, mais c'est détaché, c'est Alma de Itkassia. Léa, elle est Alma de Itkassia. C'est pour ça qu'elle est enfuie à Marat Amarpela, alors qu'il y a Rachel, elle se trouve en chemin. Rachel Imenu, elle se trouve en chemin, elle apparaît, on la voit, elle est en chemin. C'est Alma Tata'a, c'est Alma d'Idgalia. C'est les deux dimensions. Yaakov Avinu, il s'est marié avec deux femmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lui, il réunissait lui en lui les deux dimensions. Les dimensions de la haute spiritualité, qui est la prina de Léa, et la dimension de la réalisation de la spiritualité dans ce monde. Hein? On ne dit pas, Chas v'Shalom, que Rachel, elle est matérielle. On dit que Rachel, c'est le pouvoir, et peut-être c'est l'essentiel, de pouvoir dévoiler dans le monde matériel cette spiritualité. Chose que Léa n'était pas tout à fait, n'avait pas tout à fait cette... Elle avait un niveau très haut, mais pas pour descendre ça aussi bas. Parce qu'elle, elle a même... Elle a, en,
on peut dire, elle a dominé les tendances matérielles pour s'élever au-delà. Alors que Rachel, elle n'avait pas besoin de dominer, parce que de nature, elle avait des dispositions positives, mais elle devait surtout descendre la lumière vers le bas. Et on sait que l'action, ce qu'elle concerne, correspond au monde, à ce monde-là, au monde inférieur, via Asaga, et la perception au monde supérieur. C'est pour ça que Yaakov Avinu a institué la Tfilat Arvit. Cette Tfila, c'est quoi la Tfila? Une Tfila, c'est Dvekut. Milashon Naftule Elohim Niftalti. C'est Rachel, bien qui a dit, enfin, c'est Rachel quand Bilha, sa servante, a accouché Naftali. Elle a dit, Naftule Elohim Niftalti. Niftule Elohim Niftalti, ça veut dire que je me suis attaché à Kadosh Baruch Hu dans ma Tfila. Ou je me suis attaché à ma sœur, où j'ai voulu m'accrocher à ma sœur, c'est une explication, à ma sœur Léa, qui elle enfantée et moi non, donc j'ai voulu m'accrocher à elle et moi aussi enfantée. Ou à lire, je me suis attaché à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tfilot. Puis tout, c'est une notion d'attache, de nouer quelque chose. Mais la chose naftoulé, Elohim, comme on dit le pétil, mais il y a aussi le. Samit patil. Dans les Chotuma, dans la Torah, on a Samit patil. Patil, c'est une affaire, c'est quelque chose d'attaché. Okay? C'est quoi la nuit? C'est le moment des ténèbres, okay? L'obscurité. Veno nishar et la kista de chiyuta. Qu'est-ce qui reste quand un homme dort? Il reste une parcelle de vie. Kista de chiyuta, c'est une parcelle de vitalité, il lui reste en lui. Mais même la vie, elle quitte l'homme la nuit. Le sommeil, c'est un centième de la mort. Ou mitachès, la asya, metiken yako. Et donc, finalement, c'est la nuit, c'est ce monde-là, parce que la spiritualité quitte ce monde. La lumière n'est pas là. La spiritualité quitte. C'est la nuit jusqu'à Khatsot, en tous les cas, c'est un moment où il n'y a pas de perception divine. On ne peut pas arriver à des hautes perceptions divines jusqu'à Khatsot Laila. Et pourquoi? Parce que la nuit, c'est le moment où le monde matériel, l'enveloppe matérielle, elle est sans sa vitalité. Donc finalement, qu'est-ce qui reste dans ce monde? Il ne reste que le domaine que le domaine de la matière et de l'action. Et tout ce qui est perception, intention, compréhension, c'est pas la dimension de la nuit qui correspond à la dimension du jour quand il y a de la lumière. Ou alors à partir de Khatsot, il y a déjà un début d'arrivée du soleil vers l'est. Vetiken Yaakov le dabe kol kasher gam asiya. Yaakov Avinu, quand il a institué Tfilat Arvit, qu'est-ce qu'il a voulu rénover? Quelle est la nouveauté de Tfilat Arvit? C'est de faire que même le monde matériel, lui, doit jouir de l'émanation de la divinité, de la tâche, du dévoilement. Alken Nata Arazim, c'est pour cela que Yaakov Avinu, lui, c'est lui qui va planter des planches, les krashim, pour faire ces planches. Il va planter des bois de cèdre pour faire des planches. Shem amekashrim, les krashim mekashrim entre le haut et le bas. Mais le beria hatichon, c'est quoi? C'est l'axe, donc la traversée, qui traversait toutes les poutres. Il y en a qui disent même par Nes que ça tournait tout autour. Okay? Mais en tous les cas, dans le pshat, c'était tout le long de la paroi du nord, qui était constitué par les Krashim, tout le long de la paroi du sud, qui était constitué, et cet axe-là, cette traversée, unissait toutes les poutres, unissait toutes les planches. Et ça correspond à Avraham Avinu. Avraham Avinu, oui, il apparaît dans les Krashim. Et pourquoi Avraham Avinu, c'est pas ce qui réunit le haut en bas? Non, ça c'est Yaakov qui réunit le haut avec le bas. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il réunit? Il réunit en réalité
tous les hommes. Il les a réunis tous les hommes à la connaissance d'Hachem. Abraham Avinu, il est appelé, le Midrash dit Ahot Lanu Ketana. C'est qui? C'est qui Ahot Ketana? C'est Abraham Avinu qui est appelé Ahot. Ahot, pourquoi? Sheiha, il a soudé, il a uni tous les êtres, enfin, tous les êtres, c'est ça son travail, c'est de réunir tout le monde dans la connaissance d'Hachem et unir les humains entre eux. Mais qu'est-ce qui va être le point d'union? C'est la connaissance d'Hachem. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il est plus chesed. Chesed, c'est en réalité unir les hommes et tous les unir à Hachem. Aïnou Shichibiram, et là, va l'aider Shayam Achilan ou Mashkam, il leur donnait à manger, à boire. C'est ça, Yahinian Eshel. C'est ça, le Eshel, notarikon, comme on sait, c'est les premières lettres de quoi Achilash Tia Levia. Okay? Manger, boire et accompagner. Accompagner les hôtes. Les hôtes. Et tout celui qui est attaché au pur, Ariou Taor. Donc, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il voyait? Que s'ils ils vont venir chez lui, et il va leur donner à manger, en leur donnant à manger et en leur enseignant la connaissance d'Hachem et remercier Hachem, eux, ils vont s'attacher au pur, ils vont devenir purs. En s'attachant à Avraham, okay, et en recevant de lui la Emouna, ils vont tous s'attacher à Kadosh Baruch Hu Alken, Mitzaches les Shneem, les Avraham ou les Akhov. C'est pour ça que les Krashim et le Beri Achatichon, les deux sont en réalité la préparation de Yaakov et de Avraham, puisqu'ils sont, elles proviennent, elles dérivent des dimensions de la personnalité de Avraham et de Yaakov. Ouema Shemarnu Minyan Yaakov Shua Mechubar Vamikoshar Vamikasher Kanal Yesh Lomar. Maintenant, il va passer à Shabbat, comme ça, très souvent. Le Zohar HaKadosh, c'est Souda Shlishit be Shabbat, mitachez et Yaakov. Dans le Zohar, c'est écrit que la Souda Shlishit, c'est les dimensions de Yaakov Avinu. Et pourquoi la Souda Shlishit serait les dimensions de Yaakov Avinu? Alors, lui, le Shemi Shmuel, moi, personnellement, j'aurais peut-être apporté, en toute modestie, Ken, avec ce que les Chachamim m'ont dit, que la Souda Shlishit en réalité réunit les deux Seudot, les deux premières Seudot. La première Seuda de la nuit de Shabbat, c'est Yitzhak. Celle du matin, c'est Abraham. Et Yaakov unit ces deux Seudot-là. On pourrait expliquer comme ça, parce que c'est Chesed et Gvura, et Yaakov, c'est Tiferet. Mais là, le Shem Yishmuel va nous proposer autre chose. Vua Mekacher et Shabbat, Limé Achol, qu'il faut réunir. Qu'est-ce qui va être le point d'attache du Shabbat au Chol? Ou à Mekacher et à Shabbat, l'imé à Chol, aïnou, Shabbat, yofi aviyahir, pour que le Shabbat puisse apparaître et éclairer même les jours du Chol, ou miné, shita, yomin, bachim, et que les six jours se puissent être bénis par le Shabbat, il faut la Seouda Shlishit, qui est Yaakov, qui est le Keresh, qui unit le haut et le bas, qui est le haut, ce serait Shabbat. Le Shabbat, c'est la Torah, puisque, entre parenthèses, là, Moshe Rabbeinu, c'est son jour, Ismach Moshe, le Matenat Helko, et lui, il a mérité toutes les couronnes de l'âme Israël, et comme nous dit le Shem Yishmael par ailleurs, que c'est Moshe Rabbeinu, il nous, tous les Shabbatot, il nous gracie, si on peut dire ainsi, un petit peu de toute la lumière, toute la lueur qu'il a concentrée en lui. Il nous gratifie. Donc on comprend que la Seouda Shlishit va connecter les Yiriot, le Shabbat, c'est les Yiriot, c'est la lumière qui émane des Luchot Abrit, qui est une histoire branchée dans le Tadralko, c'est Shabbat, puisque la Torah, elle a été donnée Shabbat, on sait aussi, donc ce n'est pas par hasard, le Maharal de Prague, il a énormément là-dessus, pourquoi la Torah, elle a été donnée Shabbat. La révélation du Har Sinai, où Arjouhou, il a dit, les Dibrot, en tous les cas, les deux premiers, c'était Shabbat, parce que Shabbat, en réalité, c'est le jour de la Torah, c'est le jour où on arrive à une perception de la Torah qu'on ne peut même pas comparer à ce qu'on peut comprendre, qu'on peut percevoir en semaine. On ne peut même pas comparer.
C'est pour cela que le Shabbat, l'étude de la Torah, est très, très, très importante. Très, très importante, l'étude de la Torah, le Shabbat, parce que dans le Shabbat, on arrive à un niveau de perception qui est tout à fait autre de ce qu'on peut obtenir dans la semaine. Tout ça pourquoi ? Parce que le Shabbat en lui-même, c'est l'émanation de la Torah dans le monde. Et ça, on veut que ça apparaisse aussi, on veut que ça rayonne dans la semaine. Et qu'est-ce qui va faire passer cela ? Eh bien, on a besoin des krashim qui vont unir les yiriot qui sont Shabbat ou Adabim qui sont l'action, la réalisation qui se fait essentiellement dans la semaine. Et ça, ça va se faire par la Souda Shlishit qu'on fait à la fin de Shabbat, vers la sortie, avant la sortie de Shabbat, pour pouvoir prolonger la Kedusha, les 6 jours de la semaine. Voilà, vous avez un commentaire intéressant où on comprend un petit peu, on voit on a une autre approche du Mishkan avec l'essentiel du Mishkan qui est Bémet, la Torah à Kedosha. Et qu'on puisse, Bezrat Hashem, être nous-mêmes un Mishkan. Mishkan, pour être un Mishkan, il faut que, d'après ce qu'on a appris ici, qu'on ait la prise de conscience de renforcer chez nous le Eden, qui est le fondement, Adanim, qui sont les fondements. Et les fondements sont l'action. Il faut agir dans les mitzvot, dans les maasim tovim. Il faut les faire dans la plus grande perfection. Même dans l'aspect pratique des choses. Okay. Et l'aneshama de tout ça, c'est les tentures, c'est la lumière divine, les leken, qui sont. Il y a 2 tentures, les Nuchot Abrit et les 11, c'est Chamisha, Chamshe Torah et Shisha Sidre Mishnah. Mais moi, qui je suis, je dois être Yaakov, je dois être le Keresh. Moi, je suis Keresh. Voilà. C'est ça qu'on a appris aujourd'hui du Shem Ishmael. Moi, je suis le Keresh qui fait un lien étroit entre un désir de comprendre et un effort de comprendre et de percer et d'approfondir. Tout ça pour que pour être installé dans l'enveloppe qui est l'action, la réalisation des mitzvot. Et moi, je suis le Keresh, je suis le Kesher, je suis Yaakov, et je suis aussi, pour être un bon Kesher, il faut que toutes les parois soient réunies par le Chesed de Abraham, par l'union entre nous. Am Israël, on doit tous être unis pour pouvoir bénéficier de la lumière divine du prochain, parce que il y a la lumière divine personnelle, mais il y a ce que je peux jouir par la tâche que j'ai avec autrui, avec mon prochain, avec Avtal Racha Kamocha, qui sera le Beriaha Atichon. Alors, je souhaite à tous une bonne journée.